Il y a une demande. Et puis il y a une demande de la population aujourd'hui, ouais. Rose. C'est surtout ça. Oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi passé pour un certain nombre de personnes le cap en fait des réticences à l'égard du vaccin, parce qu'on a d'autres pays aussi qui a énormément vacciné et qui retrouvent aussi un semblant de vie normale. Donc ça, je pense que psychologiquement, ça joue chez des Français. Et puis oui, effectivement, je crois qu'il faut. Alors je vais pas parler d'hypocrisie, mais il faut arrêter à un moment donné. Ouvrons pour tout le monde. Ça fait des semaines qu'on le réclame. Après, je crois qu'assez naturellement, il y a la question des coupes fils. Il y a véritablement des personnes qui sont plus prioritaires. Naturellement, on lui donnera en fait une dose. Là, aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas à des personnes prioritaires qui n'arrivent pas à avoir des vaccins. On en est au fait que des vaccins ne sont pas utilisés et où on manque en fait de personnes pour pouvoir leur donner les doses. Donc oui, je pense qu'il faut ouvrir au maximum. Tu doutes? Non, c'est pas ça. C'est que on doit aller à la pêche pour trouver 3,5 millions ou 4 millions de personnes qui sont éligibles à la vaccination. Et on en est là. On en est à 31 millions. Je crois que sur le gouvernement, il y a eu aussi une stratégie qui a été pensée dès le départ et que les gouvernants ont envie aussi de s'y tenir un petit peu. Mais il agit du lest au fur et à mesure. J'ai dit qu'aujourd'hui, la question de la comorbidité, quand on voit le nombre de critères, ça revient quasiment à dire, quand on voit la santé des Français, quasiment tout le monde. Donc je crois que c'est une manière de pas faire marche arrière, mais en faisant marche arrière et en disant une chose, tu fais un sondage ici, tu verras qui est inscrit pour la vaccination. Donc on a tous plus ou moins des facteurs de comorbidité. Donc je crois que rien qu'avec ce qui a été annoncé hier et avant-hier, je crois qu'on a ouvert énormément en fait à la vaccination. Surtout, il y a quelque chose qui a été dit qui est important.